Le MPLS. Mais qu'est-ce que le MPLS ? Multiprotocole Label Switching. C'est un protocole standard principalement employé par les opérateurs pour améliorer les performances de leur réseau IP. La première fonctionnalité du MPLS est d'accélérer la transmission des informations au sein d'un backbone IP. La seconde est de permettre la création d'un VPN, Virtual Private Network, ou groupe fermé d'utilisateurs, mais nous reviendrons sur cette notion plus tard. Les grands réseaux sont particulièrement concernés par cette évolution. Ainsi, le MPLS convient idéalement pour interconnecter des succursales avec le siège social ou encore des agences avec un ou plusieurs data centers, mais aussi des succursales entre elles sans modification sur le cœur de réseau. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Vous n'avez pas encore vu ce qu'étaient les adresses IP et le routage, mais vous allez malgré tout comprendre le fonctionnement du MPLS. Faisons l'analogie avec le courrier postal. Lorsque vous écrivez une carte postale, vous la mettez dans une enveloppe avec l'adresse du destinataire et votre adresse en espérant une réponse. Votre courrier est ensuite acheminé à travers des centres de tri. En réseau, c'est exactement la même chose. Comparons la carte postale à des données IP, l'adresse destinataire à l'adresse IP destination et l'adresse source à l'adresse IP source. Les centres de tri seront quant à eux comparés avec des routeurs. Ce processus de routage des données par les routeurs est efficace, mais il est gourmand en ressources pour les routeurs et est peu évolutif. Mais pourquoi le MPLS est plus efficace ? Une des particularités du MPLS est d'insérer une indication, label ou tag, devant l'adresse IP du paquet à acheminer. Un label, dans sa forme le plus simple, identifie le chemin que le paquet doit suivre. Reprenons notre comparaison avec le courrier postal. Imaginez maintenant que les centres de tri aient juste besoin de comparer le code postal destination plutôt que l'adresse. Cela serait beaucoup plus efficace et demanderait beaucoup moins de traitement au centre de tri. C'est exactement la même chose avec le MPLS. Maintenant, les routeurs ne vont plus avoir à regarder l'adresse IP destination, mais uniquement à regarder le label destination. Essayons maintenant de comprendre le rôle de chacun des routeurs dans le réseau MPLS. Il faut distinguer trois types de routeurs. Le CE, Customer Edge, ce routeur est installé chez le client et lui permet de se connecter au réseau MPLS. Le PE, Provider Edge, est le routeur d'entrée chez l'opérateur au réseau MPLS. C'est ce routeur qui labellise les paquets IP reçus du CE. Le P, Provider, commute les paquets labellisés grâce à sa table de label, la LIB, Label Information Base. Regardons maintenant un peu plus en détail comment est transportée la donnée à travers le réseau MPLS. Ici, le paquet IP arrive sur le routeur CE1. Ce dernier regarde dans sa table de routage comment faire pour joindre le réseau destination. Pour joindre le réseau IP2, le routeur envoie le paquet au routeur PE1, qui est le point d'entrée au réseau MPLS. Le routeur PE1 doit maintenant labelliser le paquet grâce aux informations contenues dans sa table de label. Ici, par exemple, le routeur PE1 labellise le paquet avec le numéro de label 10, puis le transmet au routeur P1. Ce dernier reçoit le paquet et analyse le numéro de label reçu. Il commute le numéro de label en fonction de sa table et envoie le paquet à son voisin. P2 fait le même traitement que P1 en commutant également le label. Lorsque le paquet arrive à PE2, qui est le point de sortie du réseau, ce dernier va délabelliser le paquet, puis le transmettre au routeur CE2, qui le traite sur son réseau local. Voilà, vous avez compris comment fonctionnait le réseau MPLS. Mais rappelez-vous, l'objectif que nous avions défini un peu plus tôt, simplifier l'interconnexion des sites clients. Pour ce faire, nous allons utiliser un service complémentaire sur le réseau MPLS, c'est le VPN MPLS. Pour créer des VPN clients, il est donc nécessaire d'isoler les flux de chacun des clients sur chacun des routeurs. Pour cela, le paquet MPLS n'est plus constitué d'un label mais de deux labels. Le premier label, extérieur, identifie le chemin vers la destination, comme vu précédemment.
Le second label, intérieur, spécifie le numéro du VPN attribué au client. Ce dernier n'est pas modifié entre le PE source et le PE destination. C'est le PE source qui applique ces deux labels au paquet de données lorsqu'un VPN est utilisé. Il existe deux types de VPN MPLS. C'est très simple du point de vue client. Un VPN MPLS de niveau 2 fait apparaître le réseau MPLS de l'opérateur comme un gros switch. Un VPN MPLS de niveau 3 fait apparaître le réseau MPLS de l'opérateur comme un gros routeur. Voilà, nous en avons terminé avec cette introduction sur le MPLS.